Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de notre let's play sur les tribus unies et l'anarcho-capitalisme de Nouvelle-Zélande. Après 50 ans dans le jeu et plus, nous commençons enfin à sortir de la tête de l'eau. L'Australie a eu un soulèvement maoris qui a permis qu'ils deviennent indépendants. Donc nous avons maintenant un soulèvement libéral à Aotearoa. Qui... Est-ce que je peux faire quelque chose en fait? Ils sont neutres. Pourquoi je peux pas... Voyons voir. Voilà, coup diplomatique, conquérir. Toi. Tribune, il y a une revendication sur l'éducation possible inscrire pour des coups diplomatiques. Ok, ils sont encore en guerre civile. Par contre, je peux... Hein? Je peux foutre sur la gueule à eux, là? Bougainville? Ouais, enfin, je vais affronter les Pays-Bas, donc c'est pas une bonne idée. Et ça... Micronésie orientale. Ouais, pareil, les Pays-Bas, ils vont venir me foutre dessus. Alors, c'est pas grave, on va continuer. Par contre, ce qu'il faut qu'on commence à s'intéresser, on a 19 batailles, c'est très bien. Deux flottilles, c'est bien aussi. On va commencer à s'intéresser Brunei et alentour. Eux, ils ont... Ah! M'en fous. Vraiment une armée très faible. Sauf pour ce qui appartient aux Pays-Bas, hein, Pontianak, tout ça. Hein. Kutaï et tout, c'est quand même pas non plus la moitié de... Par contre, toi, j'avoue que toi, Boulungan, tu serais parfait à attaquer. Pareil pour Soul. En fait, si je veux m'attaquer à ces régions-là, c'est parce qu'ici, il va y avoir du caoutchouc et qu'il y a de l'or aussi. Et l'or, ça nous intéresse beaucoup. Malheureusement, si je veux m'attaquer à ça, il va me falloir... Pourquoi t'es isolé? Parce que je vais me faire foutre. On va rajouter ça aussi. Ouais, t'es isolé, laisse-moi deviner. Parce que il n'y a pas de port en île du Sud tribal. J'en ai jamais eu besoin et maintenant il y en a besoin. Je comprendrai jamais. Donc, on va remettre ça à vite. Il me faut le port en île du Sud tribal. Tout ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que ma construction est lente. Je peux compter quand même sur les constructions privés qui construisent en Hawaï et autres, donc au moins eux se dépêchent. Je suis passé en construction en acier. Ce qui me coûte cher, forcément, vive le monnayage, putain, c'est les subventions. Je subventionne qui là? Technologie féministe des. Oh, intéressant ça. Comment ça je subventionne les trains? On se fout de ma gueule là? Usine de textile, non, ça c'est. Ah, c'est parce qu'ils veulent ça. Aciérie. C'est déjà là, parfait. Je disais donc pétrole découvert en état de la trêve. Eux, ils veulent lampadaire. Et... J'ai découvert l'électricité, moi. Ah oui, je suis en train d'essayer d'en construire une. Administration gouvernementale. Où est-ce que j'ai foutu? C'est en développement. Je peux savoir qui est-ce que je. Suffit, oui, je vais pas subventionner tout le monde. Oh. Indépendant, les gars. Putain, écoutez, un fric, hein. Premier soin, il suffit qu'il faut juste de l'alcool. J'ai pas beaucoup d'alcool. En même temps, j'ai pas beaucoup d'accès au. Bon, je peux quand même le faire. De toute façon, c'est sans drôlement, ça va rien me coûter pour l'instant. Artillerie, ça va. L'élevage de bétail, je pourrais avoir. Je pourrais en avoir ou je pourrais pas en avoir. En vrai, l'électricité, j'y ai accès ou pas? Non, c'est l'Angleterre qui en produit. Ça coûte cher, ça coûte assez cher. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas rajouter ça. Des enclos. Ici. Et ici, je peux pas aller plus loin. Le camp de bûcheron, est-ce qu'il peut prendre des scieries? Bon, allez, hop. Et ça, est-ce que j'améliore ça en classeur à tiroir? Ça va me coûter un peu d'argent. Pas tant que ça. Mais ça va me rajouter toute la bonne bureaucratie dont j'ai besoin. Et ça, lampadaire électrique. Lampadaire électrique. Merci l'Angleterre de fournir de tout ça. Ok. Bon, par contre, quand est-ce qu'ils finissent leur coup diplomatique là? Ok. Faites la paix. Enfin, je sais pas qu'il y en ait un qui décide ce qu'il veut y faire, mais là il faut.
En termes de loi. Oh putain, l'élite intellectuelle est heureuse. Eux, ils sont heureux. Tout ça m'arrange. Vous, vous êtes puissants. Ça m'arrange pas. Ok, niveau, au niveau de vie 15, yes. Loi. Au niveau des lois. Pas de sécu, ça, on est d'accord. Fiscaliser, ça, on est d'accord. République parlementaire, ça, on est d'accord. En vrai. Vérification, quand même. Anarchie. Les tribus unies ont inventé anarchisme. J'ai besoin de propriété coopérative. Donc je peux devenir anarchiste en ayant le nom d'interventionnisme. Ça, il faut que j'invente le socialisme. Et ensuite, il faut que les gens soient pour. Mais bon. J'essaierai du coup. Parce que l'anarchisme, c'est le but. In fine. Alors, tout ça, ben, ouais, je suis en train d'essayer de régler ces soucis-là. Est-ce que je peux me permettre un secteur de construction supplémentaire? Je perds de l'argent quand même. Oh, le fonds d'investissement à 2 millions. L'Australie, tu te portes comment en vrai? À 7 millions. Je la rattrape, hein! Mine de rien, je rattrape l'Australie. Serres gouvernementaux, secteur de construction, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais bon. Bon, toi, fini, fais quelque chose, je ne sais pas. Laisse-moi t'envahir, histoire que je... Ah, bah voilà. Ah, bah non. Restituer l'État. Vérification. Juste vérification. Parce que j'aimerais pas faire une guerre à la con. La Tonga a ôté. C'est... J'aimerais être sûr parce que c'est pas très bien d'indiquer. Restituer l'État. Ok. Restituer l'État de Île du Sud. Donc Île du Sud, d'accord, c'est tout ça. Donc, ok, on peut commencer alors. Guerroyer, activer les conscrits. Il me faut. En vrai, est-ce que j'ai besoin d'énormément? C'est quoi leur armée? Ils sont très inquiets. Tu m'étonnes. Information, ils ont 5 bataillons. Soit ils sont très très faibles. 5 bataillons, en plus j'imagine que les bâtiments qu'on trouve là-dedans sont dans le moins. Ouais, ils sont nazes, ils ont aucune artillerie, rien du tout. Donc en vrai, j'ai pas besoin de tout conscripter. Je vais prendre juste ça, désigner un objectif, c'est là. Mobiliser. Et lui, il va juste attendre d'avoir l'arme. Aotearoa commence à activer ses centres de conscrits. Moi aussi. Allez, l'or là! Il me faudrait ça assez vite là. Attends, le fait que mon île du Sud soit isolée alors qu'elle n'a jamais été avant. Tout petit peu énervé. Du prestige ou de production? Faire un peu de prestige. Et toi, et dis-moi juste que toi, par contre, là où tu te trouves, il y a un peu de mandat. Il n'y a pas beaucoup de mandat. Oh oui! Mais oui! Oh le 5 millions de budget! Oh les tribunes! Attends, 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 attends! Est-ce que ça veut dire que par hasard le plus grand des hasards hasardeux voudrait que enfin je puisse. Mais pourquoi? Je suis majoritairement bavari.
Mais pourquoi? Je devrais pouvoir. Va prendre combien de temps le port? 42 secondes. Bon, moi je récupère beaucoup plus de thunes parce que bah, il y avait de l'or là-dedans. Oh, mais non, mais l'intérêt de mon let's play c'était de former Aotearoa, enfin qui est l'équivalent de la Nouvelle-Zélande actuelle. Et je peux plus. Alors que je possède tous les territoires. C'est... Ah, mais c'est pas normal. Enfin, c'est sûrement qu'il va y avoir une raison, mais c'est... Ah, c'est insupportable. C'était l'un des... Enfin, l'un des buts du let's play, quoi. Ça me... Ah, ça me chagrine. Ah, je suis chafouin. Ah, j'aime pas. Ah, ça... Ah. Mine de fer. Ah, tiens, dynamite. Oh, elle est plus ingénieur. Hop là, dynamite. Est-ce que tout est bien? Bon. Bon, on va faire avec ça, mais. C'est relou, en vrai. Je suis peut-être en train de foutre ces industries dans la merde, étant donné que. Si! Nouvel utilisateur, bienvenue à toi! Désolé de pas t'accueillir mieux que ça, je... Tu peux être un fan d'Alderiad, qui sait. Alors, fond tuel... Oh, là, absolument la meilleure chose qui pouvait se débloquer, c'est débloqué. Par contre... Aotearoa... Hein? Attends, quoi? Ils ont pas disparu? Ils ont pas disparu? Aotearoa existe toujours. C'est pour ça que je peux pas le créer, c'est parce que ça existe toujours. Non. Mais tu le crois ça? 18 septembre 1894, faut surtout pas que j'oublie ça. Ok, putain. Mec, tu es dans la mauvaise catégorie, une république indigène. C'est-à-dire? En attendant, côté en bourse, côté en bourse, côté en bourse, côté en bourse. Ah, oh, enfin, je peux tout coter en bourse, la vache. Ah, il faut les procéder par suite. Eh ben voilà, hop, côté en bourse. Côté en bourse, excuse-moi, je cote en bourse absolument. Je peux pas coter en bourse? Ah non, il me faut un moteur électrique. Tu es dans la catégorie CK3, pas VIC 3. Ah bon? Ah merde! Ah merde! Sur Twitch, tu parles. J'imagine. Oui, tu viens de Twitch, du coup, forcément. Tac, 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 Vigo Stream, Crusader King. Eh merde! Ah zut! Va falloir que je. Oh, je dois pouvoir le changer. Mais puisque tu es le seul francophone, genre, bah bienvenue! Fais-toi plaisir! Hein. Merci de ton. De ton aide. Stream game. Est-ce que je peux choisir ça? Tac, edit. Ah putain, oui, j'ai gardé Crusader. Quel connard je suis. Merci beaucoup. Victoria 3.
Victoria 3. Ouais, logique. Ah, bah merci à toi. Merci beaucoup, là, ça me... Tu me bottes une épine du pied, là. Bah, navire en bois renforcé. Hop, côté en bourse. Côté en bourse. Toc, toc, toc. Côté en bourse de partout. Tout doit être côté en bourse. Même les plantations, je veux plus d'aristocrates dans ce putain de jeu. C'est bon. Merci beaucoup de m'avoir corrigé, mec. C'est, ça m'arrange. Oh le con. Hop, hop. Excuse-moi, t'arrives pile au moment où je suis en mode côté en bourse, faute de chasse à la baleine. J'ai pas une faute, forcément. Côté en bourse. Et développement. Dans développement, c'est bon, il y a tout. Construction. Non, quoi, développement. Hop, hop, hop. Côté en bourse aussi. Même si je vais avoir du mal, mais au moins ça va rapporter un fric. Est-ce que j'améliore là-dedans? Toi, tu es gouverné par des indigènes. En effet. Elle est déjà en train de se faire diffuser, j'en ai pas besoin. Ça c'est quoi? Parti communiste. Appareil photo. Ouf. J'ai peut-être pas besoin de ça tout de suite en vrai. Est-ce que j'avance dans les militaires? Non, je pense pas. Je pense qu'on va... On va améliorer ce qui est là. Caoutchouc, tiens. Si j'obtiens du caoutchouc, ça sera sûrement très demandé à un moment. Je suis gouverné par des indigènes. Oh putain, ce nom. Gouvernement République démocratique. Chancelier Terata, dirigeant et politicien. Industriel. Il est adoré. Ok. Alors je suis en effet gouverné par des indigènes. Et du coup, c'est à ton avis, c'est pour ça que je peux pas former Aotearoa. C'est pas plutôt parce qu'il reste un petit état d'Aotearoa juste là, là? Parce que j'aurais tendance à penser que c'est ça, mais bon. Je peux recourir à l'Australie pour les autres. Bah, je sais ce que j'essaie un peu de faire. Île du Sud. Oula, pop, qui en est du Sud? Bah, hop, toi tu vas m'en faire un. Toi, du coup, on va te mettre au top. Ouais, le but ce serait d'obtenir l'Australie en partie. 7,69 millions de PIB. En fait, j'aimerais bien réussir à fédérer l'Australie. C'est où, c'est là. Et pour ça, il faut que bah, qu'on s'entende avec l'Australie. Bon, elle est neutre avec moi. Et pour ça, il faut que j'augmente aussi mon PIB à un niveau bien plus supérieur à elle. Ce qui en vrai n'est pas impossible. Est-ce que je peux me permettre peut-être d'améliorer ça au niveau supérieur? Ouais, en vrai. Hop. Le temps que les gens arrivent. Oh non, ils sont employés direct. Ah, très bien. Je pensais que ça allait me rapporter un peu plus. Gaspillage fiscal, on s'en fout. Vu que je suis en consommation. Alors, voyons voir. Ah, oh, l'accès au marché est nul à cause des infras. Toi, faut que tu fasses de l'or, wesh. Bon, déjà, il faut que tu arrêtes d'être isolé. Ok, bon, ça va peut-être aller un peu plus vite avec un secteur de construction là. Les nobles, non, alors normalement les nobles ils sont totalement à la rue, vu que j'ai renvoyé pour avoir que des capitalistes. Et en termes de loi, j'ai ce que je voulais. Tu es un vassal des Anglais. Ouais, je sais que je suis vassal des Anglais. Mais le fait d'être vassal des Anglais,
ne m'empêche pas de former la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, je peux peut-être. Ouais, non, je vais garder ça. Comme ça, je sais que. Mais eux. Je perds un peu de thunes, c'est pas grave. Oui, je suis vassal des Anglais, je suis sous protectorat. Le truc, c'est que avant que je m'en libère, va falloir que je m'enrichisse beaucoup. Alors, dis-moi que oui. Il y en a deux? Attends, quoi? J'ai pas besoin d'avoir deux ports. Pourquoi il m'a fait deux ports? Top. Un seul, ça suffit pour ne pas être isolé. Ouais, c'est bon. Par contre, la migration, là... Oh, mais les deux qui s'annulent, quoi. Mais quel... Tu peux toujours attaquer d'autres pays et voler leur pays. Ouais. Le truc, c'est que pour attaquer d'autres pays, il me faut... vu que je suis une île, il me faut une marine. Donc là, actuellement, je vais faire les marines d'abord, tiens. Actuellement, j'étais en priorité sur... comment ça s'appelle? Faire des ports, vu que je suis en train de coloniser. Et que sans ports, ils sont complètement isolés. Ah, région étatique isolée, je suis obligé de construire des ports. Ça a eu du temps, hein, normal. Mais ça va. Là, je suis en train d'essayer de mettre un petit peu mieux mon économie, on va dire, avant de faire quoi que ce soit. Toi, t'as du mal en bouche. Comment ça se fait que t'as du mal à emboucher? Ça manque d'outils? Ah non, c'est juste le temps qu'il se désisole. Si je peux dire ce mot comme ça. Le truc, c'est que, ouais, l'Angleterre, il s'agirait de faire un peu plus d'électricité, quoi. Je pourrais me permettre un autre. J'ai peut-être pas besoin de trois administrations gouvernementales. Et surtout qu'il y en a quatre. Hop. Une centrale électrique, elle va s'enrichir de ouf, ça c'est sûr. Construire des outils, ça c'est. Ce serait génial. Je suis re dans le positif. Tu as le multiculturalisme? Non, pas encore. Malheureusement, j'ai pas de. Où c'est? J'ai personne qui le soutient. Depuis la 1.2, maintenant il faut absolument. C'est plus élite intellectuelle qui par défaut soutient la loi. Maintenant il faut avoir un dirigeant qui la soutienne. C'est pour ça que j'ai notamment débloqué, enfin essayé de débloquer très vite. Comment ça s'appelle? Ah! Non, c'est dans les technologies en plus. Droit de l'homme. Parce que droit de l'homme, c'est le seul moyen. Il me semble d'avoir le multiculturalisme. Et maintenant, je suis obligé d'attendre d'avoir un dirigeant qui défende le multiculturalisme pour pouvoir le passer. Et comme tu peux le voir, ils sont toujours en révolution. Ils sont en révolution depuis des années, mais je vois pas comment la tège la révolution. Et le problème, c'est que tant que je n'ai pas un dirigeant qui soutient le multiculturalisme, eh ben, je suis bloqué. Bah ça a l'air d'aller vite. Du coup je vais me permettre un autre secteur de construction. Ouah, l'île du Sud ça... Ah ça leur a fait du bien. Je vais peut-être mettre ça même avant les ports en vrai. Enfin, toi d'abord, et ensuite avant les ports. Pense que c'est un bug. Ouais, le truc des révolutions, ouais c'est un bug. C'est un bug. Ça, en fait, il y a eu une révolution. Ils étaient à 100%, ils ont lancé la révolution. J'ai enlevé le truc qui crée la révolution et je sais pas pourquoi. Ils sont restés. Enfin, sont restés à râler, tout simplement. Ok, le monnayage. Je suis acheté. Oh putain, j'ai gagné 1 million là de PIB en 2 secondes. Putain, récupérer l'île du Sud, ça m'est bien. Qu'est-ce qui me manquait toujours? Ce qui me manque toujours, c'est ça.
Je vais en rajouter un peu. J'ai besoin d'une navy parce que sinon je peux rien envahir. Et moi je veux m'emparer d'ici. Parce que ici, bah, typiquement, il y a de l'or. Et toute mon économie repose sur de l'or. Recharge la partie. Bah, je viens de relancer la partie. En fait, ça buguait déjà la dernière fois quand je l'avais lancé sur le précédent stream. Mais là, ça rebug. Malheureusement, ce bug est toujours là. Il faudrait que je trouve un moyen de l'enlever, mais. Ok. Ok, bah non. Quelqu'un s'est retiré. Attends. Si quelqu'un s'est retiré, ça veut dire que quelqu'un a pris sa place. Et je tombe sur un putain d'angliciste pacifiste. Bon, moi, il soutient le ministre national, mais il soutient pas les affaires coloniales. Ça, c'est plus chiant. En vrai, vu que là je vais obtenir pas mal de mines d'or, ça c'est parfait ça. Rural, engrais, engrais. Et toi, mine de charbon, hop, dynamite. Vu que je vais obtenir pas mal d'or, je peux encore me permettre un secteur de construction. Or n'est pas la priorité, tu ne dois pas être isolé. Isolé, peut-être, tu veux dire. Le truc, c'est que la population se casse. Toi, décret. Campagne d'accueil. Il va me falloir des travailleurs ici. Je suis étonné quand même, il y a de l'or et ça veut pas vraiment l'exploiter. Alors, eux, ils font du bétail. Enfin, ils font des voies ferrées. Ah, en vrai, ils font les bonnes choses. Il y a besoin d'infrastructures dans pas mal de régions. Qu'est-ce que j'ai comme armée actuellement, si je calcule? Isolé. Ouais, non, mais je suis en train de désisoler, si je puis dire, le reste de mes troupes. Hôpitaux de campagne. Ah bon. Ouais, mais il me faut du crack. Donc, putain, ouais, mon secteur de construction, il. Putain, je suis à 7,8 là. Je crains malheureusement que l'Australie ne m'aimera jamais, parce qu'ils sont en train de dégrader les relations. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Si je les finance, ça va me coûter un bras. Base navale, bon, je vais les remettre en priorité. Tiens, hop, 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 hop. Ça va aller vite. 4 semaines, oh oui, ça va vite. Pragmatisme, ça c'est bien, c'est-à-dire que la population me coûte moins cher. Est-ce que l'île du Sud est en train de. Ok, ça va. Au moins ça arrête de se barrer. Par contre, vous vous barrez, c'est un peu plus chiant. Diffusion du socialisme. Ok. Ah, c'est chiant, l'Australie elle va jamais aimer. Le problème c'est que si l'Australie m'aime pas. Ouais, donne-lui de la thune, ouais, mais ça coûte cher de lui donner de la thune. Regarde, comment c'est à financer. Hop là, moins 9,91, ça coûte un peu cher quoi. C'est ça le souci. Bon, après, je peux m'endetter un petit peu, mais au bout d'un moment. Au bout d'un moment, je peux plus. C'est ça le truc. Pénurie de bois dur. Et là en plus je commence 71 semaines, la vache, le temps que ça prend. Ou alors c'est bloqué. Ouais, je suis en train de voir les semaines, c'est bloqué en fait. Je pensais que ça continuait, mais non, même pas. Le suffrage, même le suffrage universel, il n'y a pas tout le monde qui le soutient. Ouais, exclusion culturelle, j'ai personne qui soutient malheureusement. État intellectuel désapprouve de base.
Ouais, ça me coûte quand même 10K, bordel, 10K. Bien que j'ai 4 millions de crédits, mais... Vache. 7,9. En plus, le fait de les financer, ça améliore un peu leur PV, 8,38. Parti conservateur. Ouais, voilà, usine à papier. Bon, heureusement, je gagne de l'or, hein. Mais quand même. Ok, alors si je calcule mon armée, j'ai en fait une marine de 3. Parce que pour, enfin 4. Sachant que j'aurai le debuff de débarquement. Qui ici est faible? Et on fait un état ethnique. Non! Non, c'est pas mon rôle. C'est pas mon but. Le but du Let's Play, c'est de créer une société anarcho-capitaliste. Je suis pas là pour jouer optimisé ou quoi, hein. Le but, c'est en fait d'avoir un état extrêmement faible, un multiculturalisme ouvert, des frontières ouvertes, la totale. Non, pas de aller. Non, 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 c'est le principe du Let's Play. Si tu veux, là, si je fais ça, je vais à l'encontre de mon objectif. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est parfait, tout est ultra légitime, il n'y a rien besoin de toucher. Par contre, trouvez-moi un autre dirigeant qui soit, je sais pas, au moins féministe. Au moins féministe, parce que là... J'ai déjà amélioré, hein. Ouais, j'ai déjà amélioré. Ce n'est que partie remise. Ouais. Quoi? Ah non, merde. Faut que. Ah, j'avoue, j'ai pas débloqué ça. Condensateur électrique, très bien. Hop. En vrai, je pourrais peut-être réussir à... Enfin, il faut que j'ai un intérêt dans la région. Donc il faut que je fasse une marine. Si j'ai pas de marine, je peux pas créer un intérêt. Route commerciale. C'est vrai que je crée tout ce qu'il me faut ici, autant les... Surtout que ça me donnera un peu plus. Attends. On peut voir le monde. Ah, tu veux voir le monde? Alors, en Europe, ben, l'Allemagne s'est formée. Ben, la Suède se radicalise. La Russie fait ses guerres tranquilles. La Chine a un peu... Depuis la 1.2, ça a tendance à vachement faire ça. Le bordel. Le Raj britannique, c'est toujours le Raj britannique. La Perse fait sa Perse. Empire ottoman, Égypte n'ont vraiment pas bougé. Au niveau de l'Afrique, bah... Afrique, c'est la vie d'Afrique, hein, quoi. Amérique du Sud, ça a pas spécialement bougé, et Amérique du Nord, il y a juste le Canada qui s'est formé, pardon. Et le Japon est toujours en train de japonner. Rien de spécialement fifou. Pourquoi je brille? Pourquoi brille-je? 8,4 millions. Ils sont à 8,58. Je suis en train de les dépasser, c'est un truc de ouf. C'est ça aussi d'avoir de la bonne or. Ça fait plaisir. Il faut que je sois, putain, faut que je sois au moins amical avec eux, c'est-à-dire qu'il me faut genre 50. 50 de... Comment on s'appelle? De relations avec eux. C'est tellement long. Alors, dis-moi que vous, au niveau de la pop, il y a de quoi... Oh putain, il n'y a plus assez d'employés. Rien. Termes d'infra, c'est bon. Ah, il n'y a plus assez de... Zanzibar est en train de détruire les colonies françaises.
Ouais. Ouais. Un peu, ouais. Je peux toujours pas déclarer la guerre. J'aimerais bien déclarer la guerre à Brunei ou au moins au Bulungan, mais je peux pas. Parce que j'ai toujours pas d'intérêt diplomatique. Ça, le souci. Et pour avoir un intérêt diplomatique, il faut avoir une armée. Projection de force de la marine. Est-ce que je peux... En vrai, si j'augmente les salaires, ce qui me coûterait franchement rien, ça augmente la projection de puissance de l'armée, mais est-ce que ça me donne l'occasion de déclarer un intérêt? Non, pas encore. Mais si j'augmente les salaires, peut-être ils auront envie de foncer là-dedans. Ou peut-être pas. Ok, vérification. Ils sont loyaux, donc c'est pas trop grave si je perds. Ça fait 16, 18, 18, 16. C'est très bien. Malheureusement, je suis un peu coincé. Aotearoa, je peux pas finir de les... Bon, de leur péter la gueule, hein, si je puis dire. Il faut du prestige pour déclarer un intérêt. Oui, c'est pour ça que je fais de l'armée. C'est pour ça. C'est pour ça. En partie. 1894, agriculture. Non, il faut de l'attractivité, tant pitié. Et tout ça, malheureusement, si je veux m'attaquer, imaginons Victoria, il va me dire Grande-Bretagne sur ta gueule. Là, c'est Pays-Bas sur ma gueule. Là, c'est Australie-Grande-Bretagne sur ma gueule. Donc, là, je peux m'attaquer à rien. Parce que sinon, je me fais... détruire tout simplement. Et malheureusement, l'Angleterre n'est pas elle-même. Ouais, elle est en guerre contre la Chine, mais le truc c'est que c'est sûr, elle va la poutrer. Ouais, c'est même pas l'Angleterre, c'est le Raj qui s'en occupe. Non, je veux pas de ségrégation, ça suffit. Société égalitaire. Mais il faut augmenter les salaires du gouvernement. J'ai augmenté les salaires gouvernementaux. Ça augmente pas le prestige. En fait, le baisser, ça fait baisser le prestige, mais augmenter les salaires, ça ne l'augmente pas plus. Malheureusement. Augmenter les salaires militaires, par contre, ça rajoute de la projection de l'armée. Et là, par contre, j'arrive pas à voir où est-ce que je peux en être de déclarer l'intérêt. $0,59. Ouais, c'est ça, c'est une base navale qui me donne. Oui, parce que si je joue, je réexplique aussi un truc pour toi. Si je joue une société anarcho-capitaliste, faut imaginer que je n'ai pas d'armée. Autre que la marine, parce que la marine c'est obligatoire dans le jeu. C'est que les milices nationales, et donc uniquement les citoyens qui prennent les armes, hein, tout simplement. Oh, par contre, l'Australie, avant que j'arrive à 8,4, toi t'es à combien? 8,81. Avant que j'arrive à les choper, ça va être très long. Ça va être trop long même. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent? Eux, c'est qu'en île du Sud, île d'Hawaï, île du Nord. Ok, bon. C'est pas si mal ce qu'ils construisent en vrai. Pardon. Oh putain, ce premier aspect, il est déjà... excuse-moi, 2 petites secondes. J'ai mis trop de temps pour ce premier aspect. Pour les gens qui regardent les SP, je vous dis ciao à tous et à la prochaine.